maghrébins. Faut pas confondre islam et taliban. Où est la liberté en France? I don't look at it like Muslim MC. You know what I'm saying? It's just Hassan. That's what it is to me. You know what I'm saying? All of that is just who I am. Merci beaucoup d'être là. Nombreux. La salle prend 600 places. On a refusé du monde. Donc voilà, vraiment merci à tous d'être venus. Je voudrais appeler les artistes, s'il vous plaît. Medine, Hassan, Yous, Menza, Yahya, Farid. Je voudrais prendre 5 minutes pour remercier tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui a pu exister. Donc je voudrais remercier les artistes pour avoir accepté de faire partie de cette aventure. Toute ma famille pour leur soutien moral. Et financier. Soutenu Kara. Depuis le début sur son projet. C'est un film fait avec petits moyens, plein de petits bouts de ficelle et beaucoup de volonté. Et voilà, on va laisser la place au débat. Quelle place vous donnez-vous à l'islam dans le hip-hop ? Tu veux que je te donne des chiffres ? Tu veux quoi ? Les chiffres, je les ai, moi. C'est vos impressions et justement, est-ce que c'est une force, une faiblesse ? Voilà. Je pense que la majorité des rappeurs aujourd'hui sont musulmans. C'est pas un casting, c'est pas une volonté sélective de la part des rappeurs de se dire on va se constituer en tant que communauté au sein du rap. C'est tout simplement social. Les rappeurs, la plupart, sont issus des quartiers populaires. Qui dit quartier populaire dit gens issus de l'immigration. Qui dit gens issus de l'immigration parle forcément de l'immigration maghrébine, Afrique noire, etc. Donc forcément, on parle d'islam. Je crois que c'est social. Avant tout, et c'est normal qu'aujourd'hui on en entende parler en tant que facteur d'exclusion. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui disent ou à ceux qui se prennent pour des théologiens, pour des savants de l'islam qui disent l'islam interdit la musique ? Comment vous leur répondrez ? Il y a débat sur la dimension musicale et religieuse. Un débat que l'on hérite depuis le 8e, 9e siècle. On ne va pas le régler aujourd'hui, il ne se réglera pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de référence claire ou explicite quant à l'interdiction. Il y a différentes sources et les deux principales sources de référence sont d'une part le Coran et la deuxième des sources qui a été souvent citée ici, c'est la tradition prophétique. Alors dans le Coran, il n'y a que de l'allusif et il y a de l'interprétation qui dit que certains versets pourraient sous-entendre que ce terme-ci renvoie à la musique ou au chant, etc. Et donc c'est de l'ordre de l'interprétation, donc il y a débat, discussion, et qui dit discussion dit aussi polémique. Ça c'est une chose, donc on ne peut pas construire un avis juridique tranché sur base d'un argument qui est dans l'interprétation. La seconde des choses, c'est qu'effectivement, ce que tu soulignais tout à l'heure, Yahya, dans la tradition prophétique, on a... ici ce qui est problématique, des traditions prophétiques qui sont très explicites dans la manifestation de l'interdit et on a de l'autre côté des traditions prophétiques qui nous disent la permission, etc. Les deux exemples que tu as mis montrent bien cette espèce de tension et de contradiction. Alors en arrière-fond, pour pouvoir mener, et je vais m'arrêter là, pour pouvoir construire un avis juridique, on doit avoir soit une source qui est explicite mais qui est authentique, et généralement quand on a de l'explicite clair dans le texte, on nous dit ceci est interdit, je ne vais pas citer les traditions ici, on n'a pas le temps, eh bien la source de provenance elle est affaiblie, et donc on ne peut pas l'utiliser comme argument pour construire un avis juridique catégorique. Lorsqu'on a d'autres avis par exemple qui sont plus allusif, etc., et que la chaîne de transmission, elle est fiable, etc., on a le même problème. Donc c'est plus un débat qui n'est pas de la jurisprudence, mais qui est des fondements de la jurisprudence, qu'on appelle usul al-fiqh. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de polémiques. Moi, je l'ai beaucoup entendu, j'étais enseignant de religion dans l'enseignement secondaire chez nous en Belgique, parce que c'est organisé chez nous.
J'avais tout le temps ce problème. Les étudiants qui me disaient, monsieur, c'est jamais clair. Une fois, on va chez l'imam, il nous dit que c'est haram. Nos parents, ils nous disent, ça dépend. Et de l'autre côté, on nous dit, mais non, tout est cool, tout est permis. Et on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas d'accord? Ben, une des réponses, c'est entre autres cela, parce que la diversité, la latitude est permise. Et ce qui est évidemment permis également, c'est d'émettre chacun et chacune son avis. Ce que, encore une fois, tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas là pour trancher. Et il y a simplement, je pense, un travail de médiation qui commence à s'opérer entre ceux qui sont dans un extrême et ceux qui sont dans l'autre, et de tenter de trouver des intersections pour pouvoir débattre finalement.